Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Riton, non? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien, c'est votre homme Selitor. Veuillez vraiment m'excuser pour la vidéo que j'ai retirée ce midi, c'est pour des raisons personnelles. Franchement, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Si vous vous rappelez bien, il y avait des petits bouts de musique de José, de Kérosène et tout ça, donc ça m'a porté préjudice, donc j'ai préféré la retirer, puisque c'est ce qu'on m'a demandé. Bref, ceci n'est pas le sujet de la vidéo, je tenais simplement qu'à m'excuser. Donc, je peux poursuivre maintenant mon allocution. Vous voyez, comme Dieu ne dort pas, comme Dieu ne dort pas pour toutes ces personnes-là qui essaient de justifier le contenu de vidéos clash ou des vidéos pour faire le buzz, la jeune Rocky Gold, voilà, la jeune Rocky Gold qui était prétendue avoir clashé ou avoir répondu une ou deux fois sa démentie et sa grande sœur, José Priscille. Dans ses chansons, vient par une vidéo que je vais vous montrer maintenant, démentit toutes ces histoires de clash qui n'existent nullement pas entre elles. Voilà. Et puis après ça, puis après cette vidéo, je vais vous donner une information sur des Bordeaux. Puis après, je vais essayer de vous expliquer les qualités de José et de, comment elle s'appelle, Rocky Gold. Voilà. Donc, veuillez visionner la vidéo attentivement. Partagez la vidéo aussi. Partager la vidéo, c'est très important. Voilà, quand il y a ce genre de réaction, ce genre de vidéo qu'il faut partager. Voilà, donc bon visionnage et à tout à l'heure. Non, pas du tout. C'était pas une réponse à José, parce que José, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est une grande chanteuse. Voilà, c'est une grande sœur que j'admire beaucoup. Donc, c'était pas une réponse à elle, c'est plutôt aux femmes qui ont tendance à laisser leur mari pour un petit, pour un rien. Parce que moi-même, qui je parle, j'ai gros cœur. Voilà. Donc, c'était juste dire aux femmes de ne pas laisser leur mari pour un rien. C'est pas bien pour une petite dispute, tu rabasses tes bagages, tu t'en vas. Voilà. C'était juste pour faire un clin d'œil aux femmes. Ok, cool. Ok, cool. Vous venez de regarder la vidéo avec moi. Vous avez bien écouté les propos de Rocky Gold qui dément de vive voix qu'elle s'est jamais attaquée à José dans une de ses chansons. Jamais, jamais, jamais de la vie. Voilà. Donc, je tenais à faire cette vidéo-là pour dire que vous pouvez peut-être détester Eritor, mais Eritor aussi, dans ses propos, il dit beaucoup de vérité. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas pour des personnes qui inventent des clashs qui n'existent pas entre deux artistes, comme quoi ils veulent les faire travailler ou bien ils veulent les amener à bosser. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Et puis, certaines personnes ont mal réagi et se sont concentrées sur ma petite personne. Mais bref, comme je dis, je ne réponds pas au coup de pied de l'âne. Je m'arrête là. Voilà. Pour dire que quoi, je vous explique quelque chose. Avant même de vous expliquer les qualités de José, la force de José et la force de Rocky Gold de manière individuelle, je voudrais vous annoncer une information de taille, une information très importante. Si vous le constatez, aujourd'hui nous sommes le 30 octobre 2018, le 30 octobre 2018. Oh, le 1er novembre 2018 18 à partir de minuit, il y a un très grand événement. Voilà, il y a un très très grand événement. Donc, j'aimerais juste vous rappeler d'abord que De Bordeaux sort son dernier single dénommé À Gaza, à Gaza à partir de minuit. J'ai dit à 0h, De Bordeaux met en ligne son À Gaza, à Gaza. Donc, j'invite tous les Maliens, toute la Chine, tous ceux qui sont fans de Coupé Décalé, d'aller écouter, pour ceux qui ont le temps, à cette heure-là. Le dernier single de Débordeux Lou Kifa. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment du loup, les amis. Au fait, vous allez comprendre combien de fois je demande professionnalisme de mon artiste. Combien de fois je vous dis que Débordeux Lou Kifa, il est super, super, super. Merde, super fort. Franchement. Et puis, je peux vous rassurer aussi que il aura beaucoup de polémiques. Il aura beaucoup, beaucoup de polémiques. Mais le son sera le son des vacances 2018. Ce son-là sera le son des fins d'année Femme Shot 2018. Voilà. Écoutez-moi bien. À Gaza, Gaza. 1er novembre à minuit sur la chaîne de Débordeaux. Sa chaîne, le lien de sa chaîne est en description. C'est-à-dire quand vous voyez la vidéo, en même temps que vous voyez la vidéo, vous pouvez partir rapidement, cliquer sur son lien et vous abonner. Parce que ça sera du lourd. Il va fermer la bouche de certains jaloux qui se sont acharnés sur lui pour n'est rien. Sans preuve. Parce que simplement le mec, il a sa manière à lui de bosser. Parce que simplement le mec, il a sa faction à lui de bouger. C'est pas parce que
Tu te presses pour faire sortir 50 sons qui, dans le fond, ne valent rien, que moi je vais prendre 10 ans pour te faire sortir un seul son qui va te durer 1, 2, 3 ans. De nous deux, qui est le plus fort? Qui est le plus talentueux? Voilà. C'est pas que Debordeaux n'a pas la force, mais n'a pas cette créativité-là de rentrer dans un studio où vous faites sortir des sons en un point fini. Non, il a sa façon lui de travailler. Parce que si vous connaissez un disc-jockey, dans une boîte de nuit, c'est celui-là même qui met la musique, c'est celui-là même qui ambiance, on va dire, la clientèle dans sa boîte de nuit ou bien dans son maquis. Vous comprenez un peu, non? C'est son rôle. Donc, il est toujours obligé d'avoir de la créativité. C'est pas où il est devenu artiste, où il a besoin de chanter, si vous voulez, beaucoup, pour avoir beaucoup d'argent, qui va prendre son temps. Vous comprenez un peu? C'est pour dire simplement que le mec, il travaille comme ça. Donc, arrêtez de mettre votre bouche, si mon Debordeaux le Koufa, et attendez son agaza. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis j'aimerais aussi vous informer avant de partir sur le sujet José et Rocky Gold que je ferai un direct demain 31 octobre 2018 à partir de 19h 19h00 sur ma chaîne, c'est-à-dire on va dire 5h avant la sortie officielle du Agaza. Pour revenir encore sur les détails que vous avez donnés dans l'une de mes vidéos, je compte sur vous vraiment les amis. Partagez cette vidéo-là pour dire que Riton sera demain en direct sur sa chaîne à partir de 19h pour bousiller, pour casser tous les records actuellement détenus avec son artiste de Bordeaux, Lil Koufa. Bref, je m'arrête là. Cependant, je vous explique un truc simple. Voilà. D'autres ont tendance à comparer José Priscille et Rocky Gold. Moi, perso, j'adore ces deux artistes-là. J'adore ces deux artistes. J'adore leur musique. Honnêtement, j'adore leur manière de chanter. Maintenant, si on veut être vrai, si on veut être juste, si on veut enlever fanatisme à part, il n'y a pas de comparaison à faire. Parce que même si vous demandez à Rocky Gold, certes, nous savons que tu as des talents de chanteuse, que tu chantes très bien, mais de toi, José, c'est qui la meilleure? Parce que j'aime pas utiliser le thème c'est qui la plus forte, c'est qui la meilleure. Elle va te dire que certes, j'ai mon public à moi, j'ai mes femmes à moi. Mais j'adore la manière dont chante José. Elle va vous le dire sans vous mentir. Parce que je vais vous expliquer un truc simple. Rocky Gold, pour l'instant, nous a offert de la rythmique. Voilà, c'est-à-dire elle a opté pour des morceaux dansants, des morceaux bien rythmés. Et elle a choisi le truc, l'arrangeur adéquat, Baby Philippe. C'est pourquoi je vous parle de Baby Philippe. Écoutez bien tous les sons de Rocky Gold. C'est du projet Baby Philippe. C'est là le mec, il vous montre combien de fois il est fort. Voilà. Pour que vous compreniez mieux ce que je vais dire sur Rocky Gold, c'est qu'avec Baby Philippe, tu n'as pas besoin d'être un super grand chanteur. Voilà, tu n'as pas besoin d'être surdoué comme José. Non. Tu chantes juste, tu chantes bien, lui s'occupe du reste. C'est-à-dire, tu peux être fort, mais les arrangements de Baby Philippe te mettent encore plus en valeur. Ce qui est le contraire sur le cas José. José, ce que vous ne savez pas, c'est toute une formation, c'est tout un processus. Voilà. José, c'est tout un processus. Elle ne s'est pas levée un coup comme ça pour venir à la musique. Non. Elle a traîné dans les cabarets. Voilà. À chanter à la limite, je vais dire gratuitement. Dans les piano bars, dans les chœurs à l'église. Vous comprenez un peu? Donc, il faut respecter José. C'est un bagage de formation. Au niveau de la technique vocale, elle est hors du commun. Pour l'instant, là, je peux affirmer que dans sa génération actuelle, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas son comparable. Il n'y a pas sa mesure. Et puis, si c'est sans jalousie, si ses collègues veulent le reconnaître, elles vont dire oui. Ce que ce jeune-là est en train de dire, ce n'est pas faux. José est largement supérieur à ses concurrentes. Voilà. Parce que je pense qu'elle n'est pas en concurrence avec quelqu'un, même parce qu'elle est vraiment, vraiment douée. Elle est vraiment douée pour la chanson. Dieu lui a donné ça. Voilà. José, elle te chante dans les graves. Elle te chante haut. Elle maîtrise tout, comment je vais dire ça, parce que les termes techniques artistiques là, j'ai pas besoin de j'ai pas envie de les exprimer, c'est parce que vous allez rien comprendre. Mais elle maîtrise, c'est-à-dire qu'on dit tu sais chanter, elle maîtrise ça. Je prends un exemple simple, regardez son refrain. Elle dit je suis pas là pour toi, donc passe ton chemin. À vrai, on est ensemble, mais on n'est pas mélangé. C'est toute une technique vocale quoi, c'est-à-dire elle est forte, elle maîtrise. Chanter, c'est-à-dire que quand on dit tu sais chanter, là, ça c'est José. Voilà. Rocky Gold, ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas chanter, mais Rocky Gold, arrêtez de la comparer à José parce que
J'ai pas envie de jouer la nuit, mais franchement, José, c'est vraiment sa doyenne. Il y a des comparaisons à ne pas faire. C'est comme si vous comparez José à Charlotte Dipenda. Non! José sait qu'elle sait chanter, mais Charlotte Dipenda, c'est un autre niveau encore. Hein, les amis? Comprenez ça. Donc, je fais cette vidéo-là d'abord pour vous demander d'éviter de faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. On adore tout. On adore tous Rocky Gold, elle chante bien. D'abord, même elle a reconnu dans son interview que Josée, c'est une très grande chanteuse et elle admire beaucoup. Que ça s'arrête là. Vos comparaisons à deux balles qui n'ont pas lieu d'exister là. Arrêtez-les, gardez-les pour vous-même. Voilà. On n'a pas besoin de mettre des artistes en confrontation dans un clash pour faire la promotion, pour faire la promotion de leur musique ou bien pour les encourager à bosser plus. Non, je ne suis pas pour ça. Voilà. Donc, c'est ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Partagez-la. Et puis, rendez-vous demain à 19h pour le 4 de Bordeaux. On va en parler. Pour s'apprêter pour nous 1 million de vues en 3 jours. Voilà, c'est la Légion qui va faire ça. Ciao, ciao, les amis. Que Dieu vous bénisse.